comprends bien. D'accord. Quand tu m'as dit que tu viens, j'ai dit que c'est ce que j'ai dit déjà. Il dit à m'aménager que si la reine aussi ne vient pas, mais jeudi soit il part à Douala. Ouais, j'ai une qui n'a pas pu résister, elle est venue. Elle est venue. Avant Dieu dans la nuit, elle arrive maintenant. Bonjour, bonjour. Bonjour, connectez-vous. Je vais vous allez donner vos sujets de prière et puis on va prier pour vous. Bonjour Tatiana. Vous allez donner vos sujets de prière. Élevez la voix et vous dites ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de jeûne. Hier, dans la nuit, à minuit, pendant la prière, notre sujet de prière, c'était vraiment d'élever nos voix, de faire des supplications à l'Éternel et à la Vierge Marie. Tu viens ici, il faut pleurer, tu pleures. Je suis venu ici. Je suis déjà à Yaoundé. Madame fait la vidéo. Bonjour Christiane Watteau. Je ne sais pas si vous connaissez le... cet endroit. Donc, nous avons eu un moment de prière très, très, très intense. Donc, la Vierge Marie m'a demandé de lire vos prières ici. Donc, on va descendre comment? Comme ça. Hein. Donc, je vais lire vos intentions de prière ici. Envoyez juste vos intentions. D'accord. Ça, c'est l'endroit où la Vierge Marie a apparu en 86. Beaucoup d'entre vous, c'est maintenant que votre marche avec le Saint-Esprit, votre marche avec la Vierge Marie va commencer. Maintenant que vous allez la connaître. Pour certains d'entre vous, vous devez acheter une statuette. Parfois une grosse statuette, vous mettez là-bas, chez vous. Une statuette de la Vierge Marie. Donc bonjour. Donc, nous allons commencer donc. Étons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Éternel, nous sommes venus nous affliger ici. Nous venons nous humilier devant toi par ce jeûne. Nous te posons, Seigneur, nos demandes. Donc, vous écrivez vos sujets de prière. Seigneur, je m'accorde avec chaque personne qui va émettre un désir pendant que nous prions. Et je déclare qu'ils reçoivent l'accomplissement de leur désir. Qu'ils reçoivent l'ouverture de leur porte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Comme on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Livre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, toi qui es notre mère. Toi qui es la mère de Christ. Tu es aussi la mère de l'humanité. Tu es la reine des reines. Dans la vie de chaque personne qui va écouter. Je viens restaurer les foyers. Je restaure les mariages. Donne-nous la persévérance, maman.
En tant que mère, qu'on ne se fatigue pas de prier pour nos enfants. En tant que mère, qu'on ne se décourage pas d'intercéder pour nos enfants, pour nos maris. En tant que mère, qu'on... Bonjour, bonjour. J'ai voulu descendre là-bas, mais bien, je m'arrive que je revienne vers ici. Donc je vais rester ici au pied de son, sa statue. C'est ici qu'on va faire les prières. Donc je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Éternel des armées, nous venons demander la restauration financière de Nadège. Nous déclarons que Nadège, mais ça y est, a un logement au nom puissant de Jésus. Je viens enlever toute flèche dans votre cœur, dans votre corps, toute manipulation de l'ennemi sur vous. Je déclare que Aurore Monté reçoit maintenant la restauration de ses finances et de ses biens matériels et spirituels. Nous venons briser les chaînes qu'il y a sur la vie d'Aurore Monté. Et nous venons maintenant ouvrir les portes qui ont été fermées dans la vie d'Aurore Monté. Père Saint, que tu lui donnes l'Esprit Saint. Nous venons déclarer que Niembe Malen, tu reçois le pardon pour tes péchés. Nous venons briser tout ce qui n'honore pas le Seigneur dans ta vie. Et que nous restaurons maintenant ce que le Seigneur a déposé en toi. Nous venons enlever tes yeux du mal. Nous déclarons la restauration de Christian Djomgwe, ta restauration financière. Et nous déclarons que tout ce qui t'est destiné te revient au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous déclarons que tu localises Yami Nyami au nom de Jésus-Christ. Vierge Marie, tu apparais dans la vie de chacune de ces personnes. Doutine, nous déclarons la restauration de tout ce qui t'a été volé, tes biens spirituels, tes biens physiques au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la restauration financière dans la famille de Yami Nyami. Nous déclarons aussi que tout ce qui leur était destiné leur revienne au nom de Jésus-Christ. Prudence, nous brisons les chaînes dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Prudence, Emma, Ketchanke. Vierge Marie, que tu apparaisses dans la vie de chacun de tes enfants qui t'implorent ici. Toute personne qui va s'accorder avec moi, même si c'est à la maison. Nous déclarons que vos chaînes sont brisées. Nous déclarons le voyage de la vie de la fille Aurélie, de Marie Hortense. Le voyage de ta fille Aurélie. Nous accordons le voyage de Marie Hortense, nous accordons le voyage de ta fille. Au nom puissant de Jésus.
Éternel des armées, nous venons libérer tout document que vous attendez. Nous déclarons que si c'est le titre de séjour, nous déclarons que la date, c'est la date d'aujourd'hui que vous allez voir imprimer sur vos titres de séjour qu'on va vous donner au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la restauration de tout ce qui a été volé à Ghislain Yankep. On a déjà, mais ça y est. Nous déclarons que sa sœur reçoit son boulot au nom de Jésus. Nous déclarons que Aloy trouve du travail au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison du fils Yohan, du fils Yohan de Almako. Marie-Laure, nous déclarons que le Seigneur prend le contrôle de ta demande de visa, de la demande de visa de ta maman. Nous brisons les malédictions générationnelles sur Ezima au nom de Jésus. Donc, nous déclarons la restauration financière de Mado. Nous déclarons le voyage et la restauration de Lydie au nom puissant de Jésus, la restauration des finances de Almako. Nous déclarons selon que Ariel, tu reçois maintenant, les chaînes sont brisées sur ta vie au nom de Jésus. Je m'accorde avec chaque prière que vous émettez, que ce soit dans votre maison, vous parlez à haute voix. Nous déclarons votre restauration. Vierge Marie, toi qui es apparue ici, nous déclarons que tu apparais dans la vie de chacun de tes enfants. Nous mettons la guérison sur vos enfants. Nous protégeons vos enfants contre toute maladie. Au nom puissant de Jésus, la restauration totale de tous les aspects de ta vie. Clémentine, aspect spirituel, moral, physique, financier, professionnel, sentimental, au nom de Jésus. Recevez vos mariages au nom de Jésus. Même si vous devez vous marier en cachette, nous déclarons que vous allez vous marier cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour Yami, nous déclarons la restauration. Seigneur, nous déclarons que Mireille, Dominique et Cindy reçoivent la restauration financière de sa vie au nom de Jésus. Papa Yahweh, nous déclarons la restauration familiale de Zéphérin Kuaté. Que le Seigneur le délivre de tout blocage familial. Que le Seigneur restaure ses finances volées. Nous déclarons l'ouverture pour ta société, l'ouverture des portes de nouveaux marchés au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la bénédiction sur toi et ta famille. Nous déclarons la paix dans ton foyer. Déclare que ton entreprise prospère et qu'elle se multiplie avec plusieurs succursales. La guérison de toute ta famille au nom de Jésus. Nous déclarons le succès aux examens de tes enfants. Que tes enfants soient positionnés dans des bons postes. Nous déclarons qu'ils vont dans des grandes écoles et qui ne chôment pas, qui ne manquent pas de boulot au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je m'accorde avec chaque personne qui va venir mettre sa prière ici, Seigneur. Nous déclarons la protection divine la protection divine du fils et de la fille de Nadège. Que tous les examens des enfants que vous allez faire cette année, que ces enfants passent et réussissent au nom de Jésus. Nous déclarons la restauration de la santé de Judith au nom de Jésus. L'ouverture des portes de Mingé. Papa Yahweh, nous déclarons que Lydie reçoit tout ce qu'elle a demandé au nom de Jésus. Épiphanie, tu reçois ce que tu as demandé. La restauration de la famille de Judith Francine. Mireille, Dominique et Cindy, nous déclarons la restauration de ta famille et de tes finances. Oh, Papa Yahweh, Maman et Marie, je viens intercéder comme ça. Demande la restauration des finances d'Annie Crescence Kibawa. Au nom de Jésus, je déclare que l'étoile de l'agneau rébellé est restaurée. Épiphanie Batomène, nous déclarons la restauration de ta vie, de tes finances, la guérison du fils Samuel Hendrick, que toute maladie qu'on a dit irréversible sur vos enfants soit inversée aujourd'hui et annulée au nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, nous déclarons l'ouverture des finances de toute la famille, des personnes qui vont mettre leur prière ici. Dieu d'amour, de bonté, de restauration, nous venons comme ça déclarer que Ivy Flo, ses finances sont restaurées au nom de Jésus. Papa Yahweh, nous déclarons le mariage, Père, pour ceux qui demandent le mariage, le fruit qui puisse accoucher, Seigneur. Oh Papa, la protection des enfants de Sylvia. Papa Yahweh, nous déclarons la restauration de la famille Foumo, de ce châtel. Nous déclarons, Vierge Marie, que tu débloques les blocages qu'il y a sur les familles, des personnes qui écrivent ici. Que toute personne qui met les cœurs, toute personne qui va partager cette prière avec les membres de sa famille, toute personne, prononcez les noms des membres de votre famille à voix haute là-bas. Tous les noms que vous prononcez maintenant, je déclare que ces personnes sont libérées de l'emprise de l'ennemi. Nous déclarons que la lumière brille sur ces personnes au nom de Jésus. Que tout ce qui vous faisait honte, qu'on disait, te voilà, regarde-toi, depuis tel nombre d'années, tes égos ont déjà, tu n'as pas. Je déclare l'accélération au nom de Jésus. Sur Myrna, nous déclarons maintenant la restauration et la santé divine sur toi et sur tes enfants. Nous déclarons le mariage de Nathalie Chantal au nom de Jésus. La restauration de l'étoile de Christiane Watto au nom de Jésus. La restauration de la famille de Séphara. Sylvie, Sylvia, nous déclarons la restauration de ta santé et de tes finances. Toutine, les chaînes spirituelles mystiques brisées sur toi. Au nom de Jésus, la restauration sur toi. Nous déclarons l'activation de vos dons. Que votre vie soit comme cette rose. Je viens mettre le coup dans votre vie.
Je déclare que vous êtes désormais comme une rose qui fleurit et qui prospère. Toute personne qui a voulu vous faire du mal, toute personne qui est venue couvrir votre lumière, je viens ouvrir cette lumière au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes selon le psaume 1. Vous êtes comme un arbre qui porte toujours des fruits. Je déclare que vous êtes planté auprès de l'eau, du courant d'eau, et que vous portez des fruits dans votre saison. Je déclare que c'est cette saison maintenant. Le déclavocage sur la vie de Sylvie Sylvia. Je déclare le mariage de Nathalie. Caroline, je déclare que la restauration de ta santé et de tes finances. Je déclare que vous allez tenir pendant ce jeûne que nous avons commencé hier. Je déclare que vous n'allez pas manger, vous n'allez pas céder au nom de Jésus. Je déclare la protection divine sur les enfants de Viviane Simon au nom de Jésus. Je déclare la restauration, l'ouverture de vos portes. Je déclare qu'aucune âme qui a été forgée contre vous ne peut prospérer. Oh Papa Yahweh, je demande que tu ouvres ton cœur, Papa, que tu mettes ton visage, tourne ton visage sur chaque personne qui vient mettre son sujet de prière ici. La restauration totale de ton étoile, Josiane Nakam, au nom de Jésus. Clémentine et Sogo, je déclare aujourd'hui, l'ouverture de tes portes, de tous les membres de ta famille, la protection, la santé, la prospérité, la paix, et que vous trouvez le travail au nom de Jésus. Je déclare que Josette, tu reçois, Judith, tu reçois l'enfantement. Josette, tu reçois la miséricorde divine sur ton mari et sur ta famille. Je déclare que la zizanie entre vous et votre mari est désormais annulée au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute personne que vous nommez maintenant reçoit la paix, l'ouverture des portes. Vos enfants reçoivent les visas pour venir vous trouver là où vous êtes. Que même que ces enfants arrivent, ils sont libérés. Ils sont libérés de l'emprise de l'ennemi. Je déclare que toute malédiction qu'on avait mise sur vos enfants est brisée au nom de Jésus. Je déclare qu'on n'est plus séparé physiquement de vos enfants. Vos enfants sont protégés. Prononcez le nom de vos enfants physiquement. Prononcez le nom au nom de Jésus. Je viens vous libérer de l'emprise de l'ennemi. Je viens vous fortifier. Je viens ouvrir vos portes. Je déclare au nom puissant de Jésus la restauration financière, l'ouverture de vos visas. Au nom de Jésus, je déclare sur Annie Crescence la délivrance et la restauration de tes frères. Je déclare que Eugène, ton business est restauré. Je déclare que toute personne qui s'accorde avec moi, la Bible dit que là où deux ou trois personnes sont rassemblées, tout ce que nous déclarons va nous être accordé. Papa Yahweh, je déclare la santé, la prospérité, l'ouverture de vos portes, que ce que vous avez toujours voulu faire comme projet se concrétise. Tous les business que vous avez voulu mettre sur pied qui étaient bloqués avant, je déclare que maintenant ils sont mis sur pied au nom de Jésus. Je déclare la restauration de l'intelligence de ton fils Niembe Malen, au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare que toute personne qui prononce le nom de sa personne, Maman Marie, tu entres dans la vie de cette personne. Et que si vous êtes chez vous, prononcez le nom de la Vierge Marie trois fois. Maman Marie, comment prononce ton nom? Entre dans leur vie, entre dans leur maison, entre dans leur famille, entre dans leur famille. Brise les barrières générationnelles, Maman Marie. Que tu brises sur eux. L'agneau rebellé, tu reçois ta stabilité sentimentale. Je déclare sur toi, Josiane, la faveur de voyage en première classe au nom de Jésus. Je déclare que ton étoile est restaurée, Jeanne Bézélé. Je déclare sur toi, Viviane Simé. Que l'équipe Digue Academy n'aura que du succès. Merci pour la prière, Viviane Simé. Nadège, je déclare l'ouverture des portes des personnes que tu as citées. Je déclare que ton étoile est restaurée, Josette Mbachou, au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur enlève la honte sur ta vie, Henriette. Je déclare que toute paresse, toute lourdeur, tout ralentissement dans vos vies sont enlevés au nom puissant de Jésus. Je déclare que votre mariage volé en rêve est restauré. Toute personne qui a volé votre sac, qui a volé votre argent, toute personne qui est venue, qui vous a mis dans un cercle spirituel pour vous bloquer, je déclare que vous sortez de ce cercle au nom de Jésus. Je déclare l'ouverture de vos portes, Nadège, au nom de Jésus. Je déclare la restauration de vos finances. Amen. Nous allons faire 10. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait la grâce d'apparaître ici. Merci parce que tu as daigné venir ici à Yaoundé, en Simalène. Merci, Maman Marie. Nous déclarons la paix sur chaque personne qui est connectée à ce direct. Comme je mets mes pieds, je connecte mes pieds à cette terre. Je connecte mes pieds à cette terre. Je déclare que toute personne qui s'accorde avec moi, je déclare que comme vous accordez avec moi maintenant, tout ce que vous demandez vous est accordé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'ouverture de vos portes. Je déclare la restauration de votre vie. Tout œil maléfique qui est là pour vous épier. Toute caméra qu'on a mis dans vos chambres. Je viens percer ces caméras au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute boule de cristal maléfique qu'on a mis pour vous épier. Je déclare que tout cercle spirituel qu'on a mis pour vos familles, pour vous ensevelir, pour vous empêcher de prospérer. Tout endroit collectif où on vous a versé, on vous a mis là-bas, on a versé l'eau pour que vous suffoquiez. On veut vous noyer. Je déclare que vous sortez de là. Vous et les membres de votre famille au nom puissant de Jésus. Toute personne qui vous épie, même si la personne est dans le direct ici, et il vous voit, il veut vous intimider. Je déclare que cette intimidation est annulée au nom de Jésus. Je déclare que c'est le Saint-Esprit qui va répondre à ces personnes. Je déclare que c'est la Vierge Marie avec ses anges. Je déclare que ce sont les chérubins qui vont répondre à votre place au nom puissant de Jésus-Christ. Je restaure vos dons. Je restaure votre étoile. Je restaure votre pureté. Je déclare que toute jalousie qu'on a fait sur vous, toute partie de votre corps qu'on a handicapé parce qu'on vous détestait, toute partie de votre corps qu'on a attaqué pour vous faire du mal, je déclare que cette partie est restaurée. Je mets la guérison sur vous au nom de Jésus. J'enlève les voiles maléfiques sur vous, sur votre corps, sur votre esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Maman Marie, pointe-toi dans leur vie, que vous ayez des apparitions. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que les chaînes qui étaient sur vous, les barrières qu'on avait mises sur votre famille, sur votre vie sont désormais brisées au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que vous êtes restaurés. Je restaure votre mariage. Je restaure votre mariage. Certains d'entre vous avaient abandonné de prier pour vos maris. Je viens comme ça, élever la voix, mais prononcez les noms de vos maris, vos fiancés. Prononcez leur nom, prononcez leur nom, prononcez leur nom. Vos fils qui sont mariés là, prononcez leur nom au nom de Jésus. Je déclare la restauration des facultés mentales de vos maris au nom de Jésus. Je déclare que s'ils ont été pris par n'importe quelle femme, je déclare que toute Jézabel dans votre famille, dans votre vie maritale, est éloignée au nom de Jésus. Toute troisième personne qui s'est mise dans votre foyer, je viens briser maintenant la chaîne de ces personnes sur votre famille, sur votre mari. Toute femme qui trompe son mari ici, je déclare la pureté de ton cœur. Je déclare que toute chaîne qu'on avait mise dans ton cœur, qui fait que tu te retrouves toujours en train de parler avec cet homme là, qui fait que parce que tu crois que l'homme là va t'aider, tu es en train de lui parler. Je déclare que tu reçois la force pour arrêter cette relation au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare que toute âme forgée contre ton couple est maintenant brisée. Je viens annuler tout verdict que l'ennemi a mis sur vos couples, tout verdict que l'ennemi a mis, disant que vos enfants vont grandir sans père. J'annule ce verdict au nom puissant de Jésus. J'annule tout caché maléfique qu'on a mis sur vous, tout scellé maléfique qu'on a mis sur votre famille. On a dit que vos enfants ne vont jamais aller en bain. Je déclare que vous allez, vos enfants vont voyager au nom de Jésus. Vos enfants auront la nationalité américaine au nom de Jésus. Vos enfants vont vous faire venir en Europe au nom de Jésus. Je restaure. Vous allez partir dehors, vous allez prendre la terre. Vous avez suivi, donc vous allez prendre la terre. Vous allez mettre ça dans l'eau. Vous allez mettre le sel. 3 pincées de sel dans cette eau. Peut-être dans un tangui. Vous allez dire que vous activez la puissance de la terre, que toute la bénédiction qui est cachée dans les profondeurs de la terre, que vous appelez ça dans votre famille, dans votre vie, dans vos enfants, au nom de Jésus. Et puis l'eau là, vous allez mettre ça dans la terre là, vous mettez quand même, il faut que l'eau là soit un peu rouge. Bon, si c'est le sable, bon, ça ne sera pas rouge. Vous mettez ça dans l'eau là, vous prenez juste une petite gorgée, et puis vous déclarez que par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la force de la terre, vous êtes guéri de toute maladie, tout serpent dans votre corps. Et désintégrer. Cette eau-là, maintenant, vous allez vous laver vos enfants avec ça. Vous mettez un seau d'eau de 5 litres, non. Vous mettez un petit verre dedans. Pendant 3 jours, vous lavez vos enfants avec ça. Donc, je rappelle qu'on a en train de faire le tridôme. Donc, on est au deuxième jour de jeûne, ok? Deuxième jour de jeûne sec. Si c'est maintenant que vous tombez sur ce direct, vous pouvez nous rejoindre. Vous envoyez le message inbox. On va vous mettre dans le groupe de prière. Et puis, on prie à 12h. On prie à 12h.
on prie à 18h et à minuit. Voilà. Donc l'eau là, vous allez laver vos enfants avec, même vous-même, pendant 3 jours. Vous faufilez l'eau dans l'eau de monsieur aussi. Vous mettez ça qui se lave avec. Papa Yahweh, je viens restaurer. Je déclare que toute terre, quand vous allez prendre la terre là, si vous êtes même aux États-Unis, vous dites que tout ce qui m'a rejeté sur la terre des États-Unis, tout ce que, toute application que j'ai faite, et on m'a toujours rejeté, je déclare que cette terre m'accepte. Je déclare que les dieux de cette terre m'acceptent au nom de Jésus. C'est les papiers que tu attendais depuis. Tu relances encore, tu prends, si tu as ton passeport avec toi, tu prends, tu mets ton doigt dans l'eau là, tu déposes ton doigt là sur la couverture du passeport. Tu l'amènes sur la page de la photo. Tu déposes ta main, ton doigt sur ton visage. Peut-être ça avait l'index. Je dis que tout endroit où on a refusé mon application, où mon passeport est passé, où mon image est passée, où on a lu mon nom, tu prononces ton nom 3 fois. Prononcez vos noms 3 fois déjà. Tout endroit où on a refusé mon nom, j'ai mis une application, on a refusé mon nom. Je déclare que on m'accorde mon titre de séjour au nom de Jésus. Papa Yahweh, je restaure les familles. Vous êtes séparés de vos enfants depuis des années. Je déclare, mettez la, vous prenez encore la main, vous plantez dans cette eau-là avec la terre. Vous mettez ça sur votre ventre, le nombril. Vous appelez que tout enfant que j'ai porté qui est loin de moi. Je déclare que finalement ces papiers marchent et ils viennent rester avec moi au nom de Jésus. Je viens sécher vos larmes. Je sèche vos larmes nocturnes. Tu te réveilles dans la nuit, tu pleures, tu ne vois pas tes enfants. Toute mauvaise fausse couche que vous avez faite cette année, je déclare que votre ventre va porter jusqu'à terme au nom de Jésus. Toute personne qui veut concevoir, je déclare que vous allez concevoir cette année au nom de Jésus. Je déclare que le mois de juillet qui arrive, si vous allez concevoir au nom de Jésus. Maman Marie, pointe-toi dans la vie de chacune de ces personnes. Toi, tu as conçu avec le Saint-Esprit. Il a fallu d'une parole, tu as conçu, Maman Marie. Je déclare que chacune des personnes qui m'écoutent, qui désuient le fruit de l'utérus, je déclare que ces personnes vont concevoir au nom de Jésus. Amen. Donc on va encore faire, dis je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je déclare maintenant la restauration. Je déclare la restauration de vos mariages. Je déclare la restauration de vos dons. Je déclare que la saison est arrivée pour que les membres de votre famille brillent. Ton petit frère qui est au pays, là, il chôme depuis, il tourne, il tourne. Tu as déjà tout payé pour lui. Tu permets les formations, tu fais le visa, on ne donne pas. Je déclare qu'il prend son envol maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu n'es plus la seule personne de ta famille qui va passer le temps à envoyer l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand il y a un deuil, ça pèse sur toi. Il y a un mariage, ça pèse sur toi. Il y a la naissance, c'est toujours toi. On fait la césarienne à quelqu'un, c'est toi qui paye. Je déclare que tous les membres de ta famille deviennent aussi riches au nom puissant de Jésus. Je viens ouvrir les portes de des membres de votre famille au nom de Jésus. J'ouvre vos portes collectivement. Je restaure vos dons. Je déclare que toute chaise qu'on avait volée pour vous, tout sac qu'on avait volé, la chaise c'est l'autorité, le sac c'est les pouvoirs. Je déclare que toute chaise et tout sac qu'on avait volé, toute bague
sacs qu'on vous a volés. On vous les restaure. Les gens qui sont venus voler vos sacs dans le rêve. Je restaure ces sacs au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare sur Sylvie, Sylvia, je déclare la restauration de son fils Brian. J'enlève tout envoûtement sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Je restaure la restauration du mariage de Nathalie au nom puissant de Jésus. Je reçois la restauration des enfants de Zéphérin Kuaté au nom de Jésus. La restauration financière. Je reçois la restauration du mariage de toutes les personnes qui s'accordent ici avec moi au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous ne serez plus la seule personne dans votre famille à briller. Je déclare que toute personne qui est dans votre famille, qui vous avez jalousé, a fermé votre étoile. Je déclare que cette étoile est restaurée au nom de Jésus. Je viens maintenant vous déclarer que tu es localisé, Karine, au nom de Jésus. Marie Hortense, je déclare que le Saint-Esprit te localise. Maman Marie, que tu te pointes dans leur vie, que tu apparaisses dans leur vie, qu'on arrête de se moquer d'elle parce qu'elle n'a pas enfanté. Maman Marie, après Jésus, tu es encore enfanté. Ouvre l'utérus de ces femmes qu'elle accouche au nom de Jésus-Christ. Je déclare, comme même si on vous avait déclaré stérile, je viens inverser ce diagnostic au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous recevez vos mariages. Je déclare que les hommes avec qui vous êtes depuis longtemps, qui ne décidaient pas pour vous épouser, je déclare que cette semaine, ils vous épousent. Ils se déclarent et puis ils lancent le processus pour le mariage au nom de Jésus. Je viens apporter les finances pour faire votre mariage. Peut-être qu'il était bloqué parce qu'il disait qu'il n'avait pas l'argent. Je viens apporter l'argent dont il a besoin pour payer ta dot. Je viens apporter les finances. Je déclare que les business de vos maris, de vos fiancés s'ouvrent. Prononcez leur nom. Ouvrez leurs finances. Je déclare que leur spiritualité est restaurée au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qu'on a lancé sur eux dans leur famille, qui est négatif, qui font qu'ils tournent en rond, je déclare que à cause de votre intercession, ils sont libérés au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous intercédons pour nos maris, nous intercédons pour nos fiancés, au nom puissant de Jésus-Christ, nous intercédons pour nos fils. Oh Papa Yahweh, Maman Marie, tu priais pour Jésus. Maman Marie, tu gardais tout ce qu'on avait dit de Jésus, tu gardais dans ton cœur. Maman Marie, oh, que toi tu puisses intercéder aussi pour nos fiancés, pour nos maris, pour nos fils, au nom puissant de Jésus. Nous venons mettre la vigueur en eux, au nom de Jésus-Christ. Oh Papa Yahweh, que l'affaire de ta grande sœur qui est au tribunal, Marie, que cette affaire soit soldé rapidement au nom de Jésus. Nous déclarons que vous enfantez au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, Rebecca Conte, nous venons te restaurer. Oh Papa Yahweh, nous vous restaurons. Je restaure vos dons spirituels. Vous avez les dons spirituels qui ont été très combattus. Je déclare que votre saison est arrivée. Votre saison est arrivée. Toute personne qui vous a intimidé, vous avez rêvé, on vous a dit qu'arrête de faire ça. Arrête de soigner les gens. Arrête de prier pour les gens. Je viens maintenant déclarer que tout oiseau de nuit qui vous attaque, il meurt pendant son vol au nom puissant de Jésus. Tout oiseau de nuit qui vous attaque dans la nuit. Je déclare que tout canal, tout tuyau qu'ils ont mis dans votre maison pour entrer dans votre maison, entrer et sortir. Je déclare que votre maison appartient maintenant à la Vierge Marie. Votre maison est passée sous le sceau du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je viens maintenant vous restaurer. Je restaure votre vigueur. Tout animal qu'on a caché dans votre maison, qu'on a enterré dans votre concession, qui vient vous embêter, tous serpents, je déclare maintenant qu'ils sont enlevés au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous prenez votre envol. Je déclare que toute personne qui était bloquée dans le stage de caterpillar, que vous étiez toujours dans le stade, tu ne passais pas au stade de papillon pour t'envoler. Je déclare que tu es désormais restauré. Je déclare que ton ascension est accélérée au nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, je viens enlever les chaînes qui ont bloqué tes enfants. Oh maman Marie, tu ne peux pas, je suis sûr que tu ne voulais pas qu'aucun de tes enfants souffre. J'enlève la souffrance sur vous. On vient, on t'utilise, on te jette. Je déclare que tu reçois ton nom aussi au nom puissant de Jésus. Ceux dont la voix a été bloquée, on a bloqué votre voix pour que vous ne parliez pas. Ils sont allés travailler sur votre gorge. Mettez la main sur la gorge. Je déclare que vos bouches sont ouvertes au nom de Jésus. Que vous n'avez plus peur de parler. Quand on faisait les réunions familiales, vous allez vous cacher derrière. Je déclare que vous parlez maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous parlez. Et quand vous parlez, ce que vous dites se fait au nom de Jésus. J'ouvre vos finances. Je déclare que maintenant vous vendez vos produits. Vous aviez peur. Vous lancez vos entreprises. Vous lancez vos marques de vêtements. Vous lancez vos marques de chaussures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa Yahweh, libère tes enfants de la prison financière. Luc 4, verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour vous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Il m'a envoyé pour vous libérer de l'emprise de l'ennemi. Je viens blanchir tout ce qui vous concerne, toute accusation maléfique qu'on avait mise sur vous. Je viens enlever toute tache, tout habit noir qu'on a déposé sur vous. Ils sont venus prendre votre habit blanc. Ils ont remplacé par l'habit noir. Je déclare que cet habit est enlevé au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que vos papiers de terrain qui sont bloqués sont débloqués au nom de Jésus. Je déclare que vos papiers de terrain sont débloqués au nom de Jésus. Tout titre foncier que vous attendez, je déclare que vous les recevez dans les deux semaines qui arrivent au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, toute dîme que vous avez payée, qui avait été volé par l'ennemi. Je déclare que les prières que vous avez faites pendant que vous payez ces dîmes-là, elles sont restaurées au nom puissant de Jésus. Je viens ouvrir vos finances. Tout compte bancaire qui avait été bloqué, on vous fait le transfert, votre compte est bloqué. Votre Orange Money est bloqué. On a bloqué avec l'argent dedans. Je déclare que ces comptes sont débloqués aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, tous vos fonds qui ont été saisis par qui que ce soit, je déclare que ces fonds sont restaurés. Je déclare que ces fonds sont restaurés au nom puissant de Jésus. J'enlève la paralysie sur vos finances. J'enlève la paralysie sur vos parents.
Judith Francine, je déclare l'obtention de la bourse de QAT Jiré au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute maladie qui a été mise dans votre corps est enlevée, est diluée, est évacuée au nom puissant de Jésus-Christ. Oh papa, je te remercie, je te donne toute la gloire, je te donne l'adoration au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire encore 10. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je déclare à Juliane Arconde que le consulat t'appelle au nom puissant de Jésus. Je vais faire une prière particulière pour vos enfants. Je déclare que chaque enfant que vous avez porté dans votre ventre ou que vous avez adopté, dont l'étoile a été volée pour vous faire du mal, je viens de débloquer ces enfants-là au nom de Jésus. Je déclare que tout enfant qui t'appelle papa, qui t'appelle maman, et que dans son cœur, il le signifie vraiment. Cet enfant est débloqué parce que tu t'accordes dans cette prière. Dites à haute voix le nom de vos enfants. Prononcez leur nom. Maman Marie, prends les noms qui sont en train d'être prononcés. Amenez-les en haut. Que le Saint-Esprit prenne ces noms-là. Que l'ange Michael combatte les combats de ses enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces enfants vont vous acheter aussi la voiture. Je déclare que ces enfants vont vous construire la maison au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à 35 ans, 40 ans, ce ne sera pas vous qui allez toujours nourrir l'enfant, loger l'enfant au nom puissant de Jésus. J'ouvre les portes de vos enfants. J'ouvre les portes et l'intelligence de vos enfants. Je déclare que les demandes d'admission que vous avez faites dans les grandes écoles, les bourses d'études que vous avez besoin pour que vos enfants avancent. Je viens d'ouvrir ces bourses d'études sur vos enfants au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare que les bons mentors, les bons tuteurs apparaissent pour vos enfants, les bons enseignants, les bons guides, aussi les bonnes applications à l'école. Je déclare que le jour de l'examen, quel que soit l'examen qu'ils vont faire, quel que soit le concours qu'ils vont faire cette année, je déclare qu'ils vont se rappeler de tout ce qu'ils ont étudié, qu'ils seront dans la salle d'examen au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute maladie qui a sur vos enfants, qui vous paralyse vous-même, ces maladies sont enlevées au nom puissant de Jésus. Toute personne qui allait faire des incantations pour paralyser votre enfant, l'enfant depuis qu'il est né, il est dans la chaise roulante. Quand l'enfant était né, il allait bien. Quelques mois après, l'enfant a commencé à faire des convulsions. J'enlève les convulsions sur vos enfants au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare que tu libères ces enfants de toute possession satanique, tout animal, tout esprit mauvais qu'on a mis dans la chambre de vos enfants, qui fait que l'enfant se bat dans son sommeil. Je déclare que cet enfant est libéré au nom puissant de Jésus. Je déclare que leur chambre est libérée de toute possession maléfique au nom puissant de Jésus. Je viens les libérer. Je vous libère vous-même. Je déclare que vos enfants seront des signes et des merveilles. Je déclare que vos enfants seront des stars internationales. Je déclare que vos enfants vont créer des choses, des programmes qui vont toucher le monde entier. Je déclare que la NASA va venir chercher votre enfant ici au Cameroun au nom puissant de Jésus. Je déclare que leur nom va porter sur les quatre coins de la terre au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils seront reçus dans des grandes émissions au nom de Jésus. Je déclare qu'ils vont se faire beaucoup d'argent en ligne au nom puissant de Jésus. Je viens ouvrir, j'ouvre les dons de vos enfants. Je déclare que les dons qui étaient cachés, ils sont détectés très tôt. Les footballeurs, je déclare pour ceux qui aiment le football, qu'ils vont jouer dans les grandes équipes au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils sont sélectionnés dans les équipes nationales au nom puissant de Jésus. J'enlève toute porte qui avait été fermée sur Johan, Yannick, Michael, Luna. Je viens les libérer. Je libère vos enfants. Je libère vos enfants. Je déclare qu'ils ne vont pas se tromper de chemin. Je déclare qu'ils ne seront pas victimes de mauvaises compagnies. Je déclare qu'ils ne seront pas victimes de maladies au nom puissant de Jésus. Ils ne seront pas victimes de viol. Ils ne seront pas victimes de fausses identités. On ne va pas leur faire du mal en les confondant au nom de Jésus. Je déclare que leurs amis ne vont pas faire des choses et les accuser à tort au nom puissant de Jésus. Je déclare que leurs encadreurs, leurs enseignants vont bien s'occuper d'eux à l'école au nom de Jésus. Je déclare qu'on ne va pas confondre leur note pour leur donner une mauvaise note au nom puissant de Jésus. Je déclare que leur nom sera toujours justifié partout où ils vont passer. Partout où ils vont prononcer le nom de vos enfants, prononcez le nom de vos enfants à voix haute.
Aurélie Michel Nguémié Kanga, Merveille Erika. Je déclare que tous les noms que vous prononcez maintenant, je déclare que ces enfants sont justifiés au nom de Jésus. Je déclare que leur étoile va briller au nom de Jésus. Je déclare que vous n'avez jamais manqué d'argent pour payer les grandes écoles pour ces enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils ne vont jamais se détourner du bien au nom de Jésus. Ils ne seront jamais influencés. Leur cœur ne sera jamais détourné du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais activer l'étoile de chacun de vos enfants. Richel et Loref, je viens activer vos étoiles au nom de Jésus. Amen. Jenny, Yorick, Depardieu, Johan, je déclare qu'ils sont des stars internationales. Je déclare qu'ils vont construire des villas, des immeubles. Je déclare que ces enfants vous feront souvent des virements de 100 millions de francs CFA dans votre compte. Que maman, voilà ton argent du mois au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos enfants seront, ils vont devenir les enfants les plus riches. Geoffrey et Suzy, ils seront des milliardaires, des multimilliardaires en dollars et en euros au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare l'abondance financière sur le divine Borel, Ivan, Mal, Yoshe, Marie, Darian, Anna, Manu, je déclare que vous êtes libérés. Nora, je viens ouvrir ton étoile. Ilona, Léandre, je viens vous bénir. Je viens vous bénir. Je déclare que vous recevez la sagesse. La même sagesse que Jésus avait très tôt dans sa vie. Que vous recevez cette sagesse divine. Chamba, Adeline, Angélique, je déclare que vos neveux, Raoul, Petit, Alain, ils sont restaurés au nom de Jésus. Je déclare que vous... Chaque fois que vous pensez que vous avez besoin d'argent pour payer quelque chose pour votre enfant, l'argent là apparaît au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de manque sort. Ruben, vos parents ne manqueront jamais. Tatiana, vos parents ne manqueront jamais pour s'occuper de vous, pour vous payer les grandes écoles au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce que vos parents ont mis en vous comme sagesse, ça ne va pas partir en vain au nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, je te remercie. Je te remercie. Je déclare que ces enfants seront des signes et des merveilles. Je déclare, Seigneur, que leur pouvoir ne pourra pas être volé, que les étoiles sont restaurées. Nathan, princesse Gabriella, je déclare que vous êtes restaurés. Mida Youssef, Samuel Raphaël Gloria, Miguel, je déclare que vos enfants sont restaurés. Qu'aucune parole qui a été prononcée ici par vos pères et vos mères ne va partir comme ça dans le vent. Uriel Christophe, je déclare. Daniel Christian, Daniel Christian, Audrey, Joël, Yvan, Dimitri, vous êtes restaurés. Ange Esther, tout enfant qu'on prononce ici, même si vous prononcez dans votre bureau, dans votre maison. Aurélie, Onela, Aloy, Albert, Ephraim, tous ces enfants sont restaurés au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'abondance financière sur eux. Je déclare que l'on va venir des quatre coins de la terre pour profiter des dons de vos enfants et on va les payer. Randy, je déclare que ces enfants sont restaurés au nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, ils ne seront jamais détournés du bon chemin. Papa Yahweh, ils seront toujours comme une aide pour leurs parents. Papa Yahweh, ils vont se marier. Vos enfants ne vont pas avoir des difficultés pour se marier au nom de Jésus. Ils vont se marier avec de bonnes personnes. Je déclare que vos enfants seront toujours la tête, ils ne seront jamais la queue. Je déclare que vos enfants seront toujours premiers, ils ne seront jamais derniers au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants ne seront pas victimes de timidité. Ils ne seront pas intimidés par qui que ce soit au nom de Jésus. Afdal, Lionel, Ebenezer, Fali, Trésor, Happy, Mbiale, Wilfried, Jordan. Je viens de déverser les bénédictions sur vos enfants. Kevin, Stéphane, je déclare que ces vacances même, ces enfants vont obtenir les concours qu'ils avaient cherchés au nom de Jésus. Je viens de déclarer que ceux qui sont au chômage, comme vous accordez, prononcez le nom de ces enfants qui ne travaillent pas depuis là. Je déclare qu'ils trouvent le boulot ce mois de juillet au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils trouvent le boulot ce mois de juillet. C'est ceux qui veulent commencer leur propre business. Je déclare que le fonds de commerce arrive dans vos mains et vous leur donnez. Je déclare qu'ils sont disciplinés. Je déclare que ceux qui buvaient, qui sont victimes d'alcool, de chanvre, je les délivre de cela au nom puissant de Jésus. Pura, tu es délivré au nom puissant de Jésus. J'enlève les maladies sur vos enfants qui font que tous les deux mois tu es à l'hôpital. Toutes les semaines tu es à l'hôpital. Je vous délivre de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa Yahweh, je te remercie. Maman Marie, toi qui es notre mère, toi qui es la mère de nos enfants, nous te confions ces enfants. C'est toi qui nous as donné, Seigneur. Nous les retournons à toi. Christ, Jason, Charlotte, Gabriel, Shins, Jackson, Rodrigue, Boris, Aurore, Nathan, nous venons bénir tous ces enfants au nom de Jésus. Aucune personne ne va se pointer dans ce direct, prendre le nom d'un enfant ou l'étoile d'un enfant. Je viens fermer, je perce vos yeux, je viens briser vos boules de cristal au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune âme forgée contre ces enfants ne va prospérer. Je déclare que vos enfants, s'ils étaient bêtes à l'école, ils sont restaurés au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils seront plus détournés. Si votre fille est partie dans la prostitution, je viens l'enlever de là au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'elle s'entend avec vous. Fabrice, je déclare que vous êtes restauré. Aloy, Albert, vous êtes restauré avec vos parents au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Kaïsa. On va faire le dernier. Le dernier, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je dépose sur vous la grâce de prier. Je viens contre toute paresse spirituelle qui vous empêche de prier. J'enlève la paresse sur vous. J'enlève la lourdeur sur vos corps, sur vos esprits, sur vos articulations. Au nom de Jésus. Oh, je vous
vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Recevez la force et la puissance pour tenir pendant ce jeûne. Recevez la force et la puissance pour tenir pendant ce jeûne. Recevez la force et la puissance pour tenir pendant ce jeûne. Même si vous décidez de jeûner à partir de maintenant, je déclare que vous recevez la force. Vous recevez la force. Vous recevez la puissance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je déclare maintenant que vous commencez votre ministère. Toute personne qui s'était assise sur vos dons, toute personne qui avait bloqué vos dons, vous avez eu de la guérison, vous voyez. Dans les rêves, vous avez des rêves prophétiques. Vous priez sur quelque chose, vous donnez à quelqu'un, il mange, il est guéri. Je déclare que tous vos dons qui avaient été bloqués sont restaurés. J'ouvre votre ministère maintenant. Je vous dis que c'est le moment. Je vous libère pour que vous avanciez, que vous alliez exercer. Que vous alliez aider et toucher d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens vous restaurer. Je viens vous fortifier. Porte mon sac, pardon. Il y a mon power bank là-dedans. Merci. Je viens vous fortifier, je viens vous restaurer. Je déclare qu'aucune âme qui a été forgée contre vous ne peut prospérer. Aucune personne qui a parlé contre vous. On a fait fermer vos yeux quand vous étiez petit. Je viens ouvrir vos yeux à nouveau. Je viens vous restaurer vos dons. Le don de vision. Quand vous restez souvent, ça, vous pouvez voir les mauvais esprits sur les gens. Et vous pouvez chasser les mauvais esprits. Quand vous entrez dans une maison, comme ça, vous pouvez voir là où ils ont caché les talismans. Je déclare que ces dons sont réactivés au nom puissant de Jésus. J'enlève la peur. Je bannis l'inquiétude de votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je restaure votre ministère. Je restaure votre ministère d'intercession. Vous ne vous fatiguez pas d'intercéder pour les membres de votre famille, pour d'autres personnes qui viennent à vous. J'appelle maintenant à vous, selon Luc 4, verset 14. Je déclare qu'ils viennent des quatre coins de la terre. Votre renommée se répand sur les quatre coins de la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'enlève la peur. 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 Satan, enlève la peur. Enlève ton étreinte sur les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Oh Papa Yahweh, je te remercie parce que tu es un Dieu d'abondance. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu de miséricorde. Maman Yahweh, maman Marie, je te remercie. Toi qui es la mère de notre Sauveur. Merci. Merci pour les personnes que tu libères aujourd'hui, maman Marie. Merci pour les personnes que tu libères aujourd'hui, maman Marie. Merci pour les portes que tu ouvres aujourd'hui, maman Marie. Merci pour les destinées que tu restaures, maman Marie. Je te remercie. Je te remercie, maman. Je te remercie. Je mets la pureté sur votre main. Je mets la pureté sur votre cœur. Je déclare que vous pardonnez. Vous arrivez à pardonner à ces gens qui vous ont fait du mal. Ces gens qui ont bloqué votre ministère, qui ont bloqué vos dons, qui ne vous ont pas dit. Ils ne vous ont pas dit, ils vous ont caché. C'est plus tard que vous avez dû prier, vraiment, vraiment demander avant que le Seigneur vous a montré. Je déclare que ces dons vous sont restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a presque fini. Je déclare que vous pouvez commencer votre ministère maintenant. J'ouvre maintenant les écluses des cieux sur vous. J'ouvre, j'appelle les personnes qui sont censées donner financièrement pour que vous commencez votre ministère. Les personnes qui sont censées vous aider. J'appelle vos clients. J'appelle les personnes qui vont venir et vous allez prier pour elles, elles vont guérir. Les personnes qui vont venir acheter vos produits. Je déclare aussi que vous n'avez pas peur quand le Seigneur vous met un produit à cœur. Vous n'avez pas peur de fabriquer ce produit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre vos activités. Je déclare la prospérité sur vous. Je déclare l'ouverture de vos business. Je déclare que vos maisons que vous aviez en location depuis, vous arrivez à les vendre, à les louer maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos véhicules que
que vous avez dehors depuis, que c'était perdu depuis. Oh, on ne voit plus ton véhicule. Oh, on ne loue plus, on ne prend plus tes services. Je déclare qu'on te voit à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Les marchés que vous attendiez depuis, recevez vos marchés maintenant. Recevez vos marchés. Toute personne qui s'est assise sur votre dossier, toute personne qui était venue, il a pris votre dossier, il a dit que c'est son nom qu'on va mettre à votre place. Je viens changer maintenant ce nom au nom puissant de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je te remercie. Oh, maman Marie, merci parce que tu restaures les marchés qu'on avait prévu de vous donner. Depuis que vous avez créé votre entreprise, vous avez envoyé le flyer, les gens ont vu et ils vous ont oublié. Je viens ouvrir les portes maintenant. J'ai des cas qui se rappellent de vous. Ils retrouvent votre numéro de téléphone. Je viens exposer. J'expose maintenant votre page Facebook pour qu'on vous voie. Tout blocage qu'il y avait sur votre compte Airbnb qui faisait que vous ne pouviez plus louer vos appartements. Je viens enlever ce blocage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ouvrir d'autres opportunités. Les portes s'ouvrent pour vous maintenant. Je déclare l'abondance financière pour ce mois de juillet. Je déclare les libérations de vos finances, la libération de votre famille au nom de Jésus-Christ. Vos maris, ils obtiennent leur contrat, les boulots qu'ils attendaient depuis longtemps. Je déclare que vos maris qui étaient au chômage, ils trouvent le boulot dans ce mois de juillet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa Yahweh, je déclare, personne ne va plus chômer dans votre famille. Personne ne chômera plus dans votre famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève toute maladie, j'enlève tout blocage. Et Apocalypse 3, verset 7, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je déclare que les portes qui ont été ouvertes aujourd'hui, personne ne peut jamais les fermer parce que Jésus les a ouvertes au nom de Jésus-Christ. Et toutes portes maléfiques qui ont été fermées, je déclare qu'elles ne seront plus jamais ouvertes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous venons sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes fortifiés. Je déclare qu'ils ne vont pas faiblir pendant ce jeûne. Ils ne vont pas faiblir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne faiblirez pas. Vous ne tomberez pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare les révélations. Jésus apparaît dans votre chambre cette nuit. Marie vous visite cette nuit. Je déclare que vous recevez les messages divins au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que vous aviez oublié, quand vous avez dit quand vous aviez 7 ans, vous vous rappelez de ça maintenant au nom puissant de Jésus. Votre pouvoir vous est restauré au nom de Jésus. Puissance financière. Je viens anéantir tout ce qu'ils ont fait pour vous bloquer. Toute incantation qu'ils avaient fait sur vous. Je viens anéantir ces incantations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous avons terminé. Quand je regardais les roses, si je disais que je devais planter ça après. Tu ne sais même pas que c'est l'Esprit qui t'a conduit. Je déclare la beauté, l'abondance sur vos vies. Amen. Ceux qui viennent de tomber sur le direct et vous n'étiez pas dans le jeûne, vous pouvez commencer votre jeûne à partir de maintenant. On fait 3 jours sans manger et sans boire. On fait la prière à 12h, 18h et minuit. 12h, 18h, minuit. Voilà, je peux vous envoyer les enseignements qu'on avait fait hier et avant-hier et puis vous écouter. Ok, je déclare que vous ne faiblirez pas. Je déclare que vous allez tenir et que tout ce que vous avez demandé, tout ça va vous être accordé. Rien ne va rester derrière. Rien ne sera laissé derrière. Votre mariage, là, vous allez vous marier en juillet, c'est au nom de Jésus. Votre voyage, là, vous allez voyager au nom de Jésus. Vous allez trouver le billet d'avion. L'argent du billet d'avion va sortir au nom puissant de Jésus. Vos papiers, là, on va vous les accorder dans ce mois de juillet au nom puissant de Jésus. Votre mari vous localise. Le mari qui est venu t'épouser, il est parti en Bénin, il t'a oublié là. Il se rappelle de toi. Il revient vers toi. Il te demande pardon. Tout membre de famille de vos maris qui ont sorti de travailler, pour que votre mari vous oublie. Je déclare que votre faveur maritale est restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Je suis à Yaoundé. Prenez rendez-vous, attache avec la dame de Yaoundé pour le rendez-vous. Ok. On fera des lavages ici, aujourd'hui, le soir, et puis demain. Et puis le premier, on a lavage à Douala. Et puis lavage en ligne aussi. Voilà. Je viens vous bénir, je vous bénis. Maman Marie, nous prenons ta bénédiction. Nous te remercions, maman. Merci de m'avoir amené ici. Je bénis la reine Marie-Blanche qui m'a amené ici. Je bénis toute ta famille, je bénis tes enfants, je bénis ton mari. Je bénis tes affaires, je bénis tes business. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui s'est accordée dans cette prière, nous déclarons que vous recevez l'obtention de tout ce que vous avez demandé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen et amen. Voilà. Oh, la joie de ça. De dire. Tout si malin tremble. Je te dis que. Okay. Hey. Yes, ma fille, tu es venue ici. Là. Tout si malin tremble. Oh. Tout ce qui passe le mal au soir. Amen. Ceux qui étaient ici, là, ça les a brûlés. Amen. Je voulais descendre là-bas. Ils ont demandé que c'est ici là qu'on va prier. Je te dis, là-bas, il n'y a pas de raison. Pardon, le chauffeur a des. On part, il n'y a pas de souci. C'est la bonne terre, hein? Tu vois, regarde les papillons qui viennent. Oui, il y avait les papillons ici là jusqu'à. Je vois que c'est que la terre que je vais prendre. On fait comme vous parlez de la terre depuis là. Oui. Voilà. Il est parti avec la terre. Merci Seigneur. Bonne journée à vous, bonne journée.
C'est que ça ne dépend que de Facebook, c'est que je fais le vous vivez avec moi tous les jours. Même le direct ne s'arrête jamais. Il nous soit fait selon ta volonté. Tu as dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ah, c'est la bonne boue.